Sur le chantier de construction du marché Congo de Douala, la barrière d'accès au site est fermée. Pas de mouvement des engins, encore moins des personnes. Les matériaux sont couchés sur le sol. Les ouvriers en tenue de ville ont des idées ailleurs. Ils ont décidé d'arrêter le travail. Ce tas de bois pour barrer l'entrée principale, ils revendiquent leur salaire. 15 à 20 mois pour les uns, 30 mois pour les autres. On a désaillé des salaires depuis 2013. La société connaît des graves problèmes. Maintenant, depuis 2013, nous avions supporté jusqu'ici. Notre argent doit sortir. Maintenant, on ne veut plus attendre. Pour qu'on puisse aller au chemin de la négociation, il faut qu'ils nous versent au moins 3 mois de salaire. Par ailleurs, ce sont des ouvriers qui travaillent sans repos, sans couverture sanitaire et sécurité sociale. Oui, nous n'avons aucune sécurité sociale. Nous travaillons sans protection. Si un de nos clients est malade, il prend lui-même sa charge à 100%. Nous n'avons pas de congé ici. Même nos contrats, vraiment, si on vous montre les formes de contrats, vraiment, c'est déplorable. Pour manifester leur courroux, ils ont entamé un mouvement d'humeur ce jeudi. Mouvement qui a été partiellement suspendu à cause du décès de leur collègue. Joint au téléphone, Dame Ngale Sopo, qui dirige les travaux, va avouer que sa structure connaît des problèmes de trésorerie. Mais ça arrive au moment où il y avait déjà quelques mois d'arriéré. Effectivement, ils ont eu des arriérés, compte tenu du fait que nous sommes en train de négocier. Enfin, la négociation est finie. On est en train de finaliser une négociation pour l'ouverture du capital, pour qu'il y ait plus de fonds. Donc, ça fait que, voyant les jours arriver, ils ne voient pas comment on réagit. Bon, comme il y a toujours des extrémistes dans ce genre de choses, ils ont posé le problème, ils devenaient de plus en plus anxieux. Les travaux fonctionnaient jusqu'à cette semaine où il y a eu cette... les gares se sont mis dans tous leurs états. Ces ouvriers projettent redescendre dans la rue au cas où les réponses ne seront pas apportées à leurs revendications.